la division. Raison pour laquelle, partout où vous allez dans le monde musulman, partout où vous allez dans une communauté, vous asseyez comme maintenant et vous demandez à la communauté quelle est la majorité de votre problème ? La division. Nous ne sommes pas unis, pas assez. La majorité. Et ça, c'est un problème. Et que, vous savez, en psychologie élémentaire, on nous l'apprend, à force de vous conditionner l'esprit à voir un problème, vous le confirmez par la façon dont vous regardez votre communauté. Vous passez votre temps, on est divisé, et puis finalement, on est divisé. Vous avez, oui, induit intellectuellement le problème que, et il est réel, mais la question, c'est pas de savoir qu'il est là, c'est la question, c'est de savoir comment on le règle. Et donc, tout à coup, vous avez deux solutions. Vous voyez, quand vous avez le Coran et le Karim, vous prenez le Coran et le Karim et vous prenez certains versets, vous savez que les savants, parce qu'ils lisent les choses différemment, parce que les mots ont plusieurs sens, parce que les intelligences ont plusieurs niveaux, ils vont voir des choses différentes. Vous dire, bon, ben ça c'est la diversité acceptée. Mais vous pouvez faire autre chose. C'est que vous dites, finalement, toutes ces interprétations, elles ont quel but? Finalement, vous voulez aller où? Et vous vous rendez compte qu'au lieu de vous concentrer sur la différence des interprétations, si vous allez sur les finalités, sur l'objectif, il y a beaucoup de choses en commun. Donc en passant méthodologiquement par là où tu veux aller, il y a plus de possibilités d'unir que de s'arrêter de là où tu pars. Comprenez? C'est-à-dire que si vous prenez le livre, oui, il y a des diversités. Bon, d'accord, et puis alors, qu'est-ce qu'on fait? L'autre, il est harfi, salafi, harfi, il est littéraliste. L'autre, il est mujtahid, mujaddid. Et puis l'autre, il est soufi. D'accord, et puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Non, mais qu'est-ce que tu veux faire? Et vous allez vous rendre compte que le salafi, que le mujaddid, que le soufi, que le rationaliste, ils veulent en fait, quoi? Le bien-être, salamat al-nafs, et l'adl, l'ihtiram, on veut les mêmes choses au bout. Donc au lieu de se concentrer sur la différence d'interprétation, essayons de nous poser la question, n'y a-t-il pas de communauté de finalité, d'objectif? Et ça, c'est l'intuition très synthétique que vous trouvez dans le Mouafaqat, le livre de Eshatibi. Lui, il synthétise tout, il dit, c'est là où on veut aller, c'est ça, c'est le maqas, c'est les objectifs supérieurs. Au bout du compte, vous pouvez vous diviser sur les interprétations de quand El Khamr c'est possible, quand c'est la tenue vestimentaire, est-ce que quand on ne le boit pas, ou qu'est-ce quand on l'utilise dans un produit qu'on ne va pas consommer. Là, il y a des interprétations, mais des océans d'interprétations. Mais au bout du compte, quand vous venez, on est tous d'accord, le Khamr c'est non quand tu perds la tête. Qu'on veut, en fait, la lucidité de l'être. Donc les interprétations secondaires ne doivent pas nous faire perdre de vue qu'on est d'accord sur les objectifs supérieurs. Écoutez bien la formule, les interprétations secondaires ne doivent pas nous faire perdre de vue les objectifs supérieurs. Or aujourd'hui, parmi les musulmans, comme on oublie les objectifs supérieurs, on passe son temps à se diviser sur les questions secondaires. Oui, et donc ça, c'est une mentalité qu'il faut développer, une façon d'aborder les questions. Et donc j'en suis arrivé là avec ce livre-là, en venant avec des thèses. Alors première des choses, c'est de revenir à un terme, la réforme. Parce que je viens d'avoir une discussion avec Cheikh Ben Baïa, et puis après lui avec Hamza Youssouf, qui est un de nos frères qui a fait ses études islamiques en Mauritanie, qui a fait des études de Cheikh, et lui aussi en cours particulier. Et puis le concept de réforme le gênait, il dit non, moi je n'aime pas réforme, j'utiliserai rénovation. Et puis il dit bon, il faut qu'on s'arrête sur le terme et qu'on se dise de quoi parlons-nous. Première des choses, qu'on soit bien clair. N'importe quelle personne qui vient vers moi et qui me dit « Ah, il parle », parce que moi, vous ne vous rendez pas compte, j'ai en face de moi une communauté de gens qui sont beaucoup plus juges que lecteurs. Et ils sont d'autant plus juges qu'ils ne lisent pas. Et la seule chose qu'ils ont lu, c'est un article dans Le Matin, dans 24 heures. Ils lisent ça, puis ils viennent vers toi, c'est un tribunal. C'est-à-dire qu'après la lecture du 24 heures, il n'a lu aucun livre, mais après 24 heures, il te met en enfer ou au paradis. Il a décidé que c'est... Ah non, mais qu'est-ce que t'as dit? Mais tu lui dis, qu'est-ce que t'as lu? Et là, vous apercevez, la lecture n'existe pas, ou alors elle est superficielle. Première des choses, jamais vous n'entendrez de ma bouche qu'il est question de réformer l'islam.
L'islam ne se réforme pas, les textes fondamentaux de l'islam sont les textes fondamentaux, ça ne se discute pas. Le Coran et le Coran, ou l'Ahadith et l'Ahadith, on a des divergences sur l'authenticité, et le Sahih, et puis l'Ahad, et puis le Mutawatir, tout ça on est d'accord. Mais les textes ne se changent pas. Et ce n'est pas l'islam qu'il faut réformer, c'est l'intelligence musulmane. Ce sont les esprits de l'islam, c'est-à-dire les esprits des musulmans, leur compréhension. Et c'est ça dont on parle. Comment réformer ton intelligence pour rester fidèle à ce qui ne se change pas, c'est-à-dire l'esprit éternel de l'islam, qui est fondé dans les textes. Donc comprenez bien, parce que souvent quand je fais une conférence, il faut que je commence par dire ce que je ne dis pas. Parce que certains ont entendu, oui, dans le domaine de l'qil ou l'qal, non mais vous rigolez, mais il faut quand même que vous rendiez compte que vous pouvez arriver dans certains pays et que le mufti du pays, il dit sur le minbar le vendredi, Tariq Ramadan, kafir murtad. Qu'après ce que j'ai pu dire, même sur le moratoire, et que j'admets que certains ne puissent pas être d'accord avec moi, quelqu'un vient me dire, toi tu es allé contre les nusus al-qat'iyya. Il dit, mais j'ai jamais dit ça. J'ai pas dit que les nusus n'existaient pas. J'ai dit que shuru tatbiq al-nusus, c'était la question. Donc ne me faites pas dire ce que vous n'avez pas lu même. Ça prouve que les gens n'ont pas lu. Donc je vous appelle ici, dans cette discussion-là, à un esprit critique rigoureux. Si la foi est dans votre cœur, la précision est dans l'esprit. Si la foi est dans le cœur, c'est qu'il faut être très précis. Parce que c'est ça qui est important. Dans le Coran, surat al-Hujurat, quand quelqu'un vient, c'est-à-dire aller chercher la vérité. Ça, c'est une attitude intellectuelle, c'est la seule qui convient avec la foi. Jamais on accepte la rumeur, jamais on accepte, j'ai entendu, je vais vérifier. Et je ne juge qu'en connaissance de cause, encore si parfois il faut juger, parce que parfois vous n'avez même pas le niveau intellectuel de juger l'information que vous venez de recevoir. Parce qu'il y en a certains, ils pensent quand ça ne correspond pas à ce qu'ils savaient, ils pensent que ce n'est pas juste. Non, c'est juste, pas juste, par rapport à ce que tu savais, mais tu ne sais pas tout. Donc il se peut qu'il y avait quelque chose de juste que tu ne savais pas, et tu dis, alhamdoulilah, je viens d'apprendre. Donc ça, c'est un principe élémentaire de l'attitude musulmane. Et par rapport à cela, vient le terme réforme. Et donc ici, j'ai fait tout un travail dans l'ouvrage, première partie, d'articulation du mot réforme. Et beaucoup, et en particulier des gens qui se sont convertis, mais pas seulement, ils renvoient réforme à la réforme protestante. Ou à la réformation. Puis en plus, ça ne m'a pas aidé qu'un journaliste du Washington Post aux États-Unis a dit Tariq Ramadan, le Martin Luther de l'islam. Alors là, il m'a pris carrément chez les protestants, et alors il a tout mélangé. Et donc je devais dire, non, c'est pas ça, je ne parle pas de ça, parce que si vous utilisez la réforme, et que quelqu'un vous dit vous êtes le Martin Luther, alors évidemment c'est comme si vous christianisez l'islam, ou que vous rentrez dans le débat. Je n'ai pas dit ça, et ça n'est pas du tout dans cette perspective-là. Mais on en vient maintenant à la terminologie arabe. Et vous avez trois mots en arabe qui sont extrêmement importants dans toute la dimension de la compréhension de la réforme. Le premier, c'est effectivement l'islah. C'est-à-dire, islah, qu'est-ce que c'est? C'est redonner une forme saine à un élément ou à un objet dont la forme a été détériorée. Donc, islah al-nafs, c'est votre être était d'une certaine façon, il a été détérioré, et vous allez travailler à le réformer, à le purifier. La même société, c'est exactement la même chose. Islah, c'est reformer de belle façon ce qui a été détérioré par la perversion, soit la détérioration. Et ça fait référence au hadith du prophète qui dit que des gens viendront qui vont ils vont réformer la charia. Elle a dit fasadaha an-nas, les gens vont la détériorer, donc ils vont la réformer. Et donc cette dimension de la réforme existe en termes de l'islam, c'est le terme le plus proche littéralement. Mais c'est pas tout. Il y a aussi dans la notion de réforme, et là ça renvoie aux intelligences, ce sur quoi les savants se sont mis d'accord, c'est qu'il y a tajdid, c'est-à-dire le renouveau. Et le renouveau ici, il fait référence à un autre hadith du prophète, Allah yab'athu li hadhihi al-umma 'ala ra'si kulli mi'atin sana man yujaddidu lahadina, yujaddidu lahadina, c'est-à-dire de renouveler. Et tous les savants se sont mis d'accord, ça n'est pas l'islam que l'on renouvelle, c'est l'interprétation des textes et l'intelligence. Donc d'un côté, il est question de rénover ou de réformer la charia qui a été détériorée par les gens.
Et donc, raison pour laquelle, ce n'est pas l'islam, c'est les gens qui détériorent la compréhension d'eux. Donc, il faut réformer ça. Et le tajdid, c'est le renouveau de l'intelligence. Et le renouveau de l'intelligence, il est dû à quoi? D'abord, parce que le temps passe et qu'on est dans d'autres cultures, dans d'autres sociétés, dans d'autres circonstances. Et parce qu'on est dans d'autres circonstances, on lit les textes différemment. Oui, on va les lire différemment. Mais encore une fois, je dis ça souvent, même le frère et moi-même, aujourd'hui, dans cette situation, on lit un texte, on voit quelque chose. Si demain, quelqu'un d'entre nous a quelqu'un qui est mort dans sa vie, dans sa famille, le même texte, il aura un autre parfum, parce que notre psychologie, notre contexte, la projette sur les textes que l'on lit. Et parfois, on découvre des choses qu'on n'avait pas vues, parce qu'on est dans un nouvel état intellectuel, nous-mêmes. Donc, qu'en est-il des sociétés? El Mujtama'a, what the Prophet. Tout ça, c'est l'histoire fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit donc que la fidélité à l'éternité d'un texte, c'est savoir renouveler son intelligence avec l'histoire. La fidélité à l'éternité d'un texte, c'est renouveler son intelligence à travers l'histoire. C'est ce que les savants ont compris depuis le départ. Tous les premiers savants, raison pour laquelle on a plusieurs écoles. Quand celui qui dit il faut alléger la prière quand il pleut et qu'il reçoit une lettre d'un savant qui lui dit comment peux-tu donner cette rorsa, il lui dit viens ici et tu vas voir comme il pleut, tu vas voir. Il est en train de lui dire le contexte de la rapport à la pluie, quand il pleut ici tu ne peux pas prier, donc on peut écourter quand on sait que le... Il est en train de lui dire le contexte permet par fidélité d'élever des rohas qui sont liés au contexte. C'est pas pour changer l'esprit de l'islam, c'est pour rester fidèle à son interprétation. Donc on comprend ici qu'il y a tout ce domaine-là. Le troisième des termes, c'est celui qui a été utilisé beaucoup plus globalement en termes de philosophie par le texte de Abu Hamid al-Razali au XIIe siècle, qui s'appelle « Ihya ulumuddin », redonner de l'existence, de l'énergie à, et en termes de référence, faire de la religion une référence contemporaine. Quel est notre souhait à nous tous musulmans d'aujourd'hui, ici, ou en Algérie, ou au Maroc, ou en Tunisie, ou en Égypte, ou en Malaisie, c'est de faire croire que notre religion, elle soit vivante pour nous aujourd'hui. Nous ne voulons pas d'un arabe qui soit une langue morte, et nous ne voulons pas d'un Coran qui soit un livre qu'on met dans la bibliothèque. On veut que ce soit ihya, c'est-à-dire ihya, tajdid, wa islah. Tout ça, c'est le mot réforme. Mais c'est participe de la tradition musulmane. Et le problème, vous savez, c'est qu'un certain nombre de frères qui connaissent parfois bien l'histoire occidentale et mal l'histoire musulmane, qui connaissent bien le français, l'anglais ou l'allemand et pas suffisamment l'arabe, ou qui connaissent l'arabe mais pas les autres langues, ils finissent par penser que si on utilise certains termes, on s'aliène, on s'occidentalise. Et on dit ils sont aliénés, il ne faut pas aliéner sa pensée. Et moi ce que je réponds toujours aux frères et aux sœurs, je dis attention, le plus dangereux c'est pas l'aliénation, c'est la double aliénation. C'est qu'en fait, tu n'es même plus capable de penser ton patrimoine parce que tu ne te connais plus et qu'en pensant par l'autre, tu penses que l'autre a dit des choses que toi tu as dit mais tu ne savais même pas que tu les avais dit, donc tu penses que tu penses par l'autre. Ça s'appelle une double aliénation. L'ignorance de soi est la pensée par procuration vis-à-vis de l'autre. Et comme on a peur de l'autre, on finit par rejeter ce qu'en fait peut-être il a pris aussi de nous. Quand vous lisez par exemple un philosophe comme Alain de Libera qui travaille à Genève et qui parle de la séparation des autorités dans la tradition musulmane dès l'origine, c'est-à-dire les droits du divin, tout ce qui vient des l'aqida et des ibadat, qui se distingue des mu'amalat et qui sont dans la négociation, cette séparation des autorités est intrinsèquement liée à l'islam. Et ça, quand le christianisme l'a rencontré, il est allé vers la voie de la sécularisation. Il dit le contraire de tout ce qu'on nous raconte en Europe. C'est-à-dire que nous sommes complètement étrangers à la séparation des autorités. Nous disons, nous savons la séparation des autorités, mais nous ne voulons pas de divorce. Nous ne divorçons pas les autorités. Ce n'est pas une politique sans morale, c'est la morale en politique. Et ça, c'est les deux autorités qui travaillent ensemble. Nous séparons, nous ne distinguons pas. Raison pour laquelle le compagnon du prophète, al-Salam, qui vient vers lui et qui lui dit, est-ce que là où nous sommes, ça vient d'Allah ou ça vient de toi? Et lui dit, ça vient de moi. Alors il lui dit, il faut changer. Regardez, si ça vient de Dieu, cette autorité, je ne la conteste pas. Si ça vient de toi, on discute. On discute parce que pour les affaires du monde, ton autorité est à négocier. Pour les affaires du divin, on ne négocie pas, on obéit. Ça met un mot en parle. Vous voyez, c'est double. Et là, il est en train de nous dire des choses qui sont profondément islamiques. Les musulmans ne savent plus ça. C'est-à-dire qu'ils pensent que dès qu'on fait ceci, on pense comme un occidental et on a oublié l'histoire. Donc, premier élément, le concept de réforme est
islamique, fondamentalement, et il faut le réintégrer avec ce que je viens de vous dire, ces trois notions-là. Maintenant, pourquoi réforme radicale? Pourquoi j'ai utilisé ce concept-là? Parce que je vais vous dire une chose, on a un vrai problème ici, c'est que, et ça c'est la première des thèses de l'ouvrage, non, la première des thèses de l'ouvrage, c'est que le concept de réforme est islamique, il est interne, islah, tajdid, wa ihya, comme trois dimensions d'un concept, d'une conception que pour rester fidèle à l'éternité du message islamique,